baptized to prepare the body. La Bible dit dans le livre de Luc 24, verset 1, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. » Amen. And when they got there, they didn't find him. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. And there then angels appeared unto them and said, He is not here. Alors un ange de l'Éternel le fit apparu et leur déclara que il n'est pas ici. He is risen. Il est ressuscité. He is not here. Il n'est pas ici. He is risen. Il est ressuscité. I want someone to shake yourself and shake your neighbor and say, He is not here. He is risen. Alors, je veux que tu puisses dire à votre bien-aimé qui est à gauche, à votre droite, tout autour de vous, dites que Jésus-Christ est ressuscité. Faites cette déclaration. The hope of salvation is risen. L'espoir de notre salut est ressuscité. Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. 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 Gloire à Jésus. Amen. Happy Easter, church. Happy Easter, happy resurrection morning, church. Bon fête de Pâques, bon dimanche de résurrection. Oh, 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 oh. How they wished he never rose. Oh, bien-aimé, j'ose croire que le diable ne voulait pas que Jésus-Christ puisse ressusciter. How the kingdom of darkness wished he never rose. Oh, je vois comment le royaume des ténèbres ne voulait pas que Jésus-Christ puisse ressusciter. Glory to God, he is risen. Il ne souhaitait qu'il ne puisse pas ressusciter, mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé. Amen. Amen. He said, I am he that liveth. Il dit que je suis celui qui vit. I was dead. Il dit, j'étais mort. Behold, I am alive forevermore. Voici, je suis en vie à jamais. I have the keys of hell and death. J'ai la clé du séjour du mort. De l'enfer. I'm alive forevermore. Je suis en vie pour toujours. That is why I am so sure every issue that is termed dead in our lives, they are receiving life this morning in the name of Jesus. Voilà pourquoi j'ai l'assurance que tout ce qui était mort de votre vie, cet après-midi va reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you so much, church. Thank you so much, family. Merci, I want to Église. I want to appreciate God's servant, who God has placed at the head of the fellowship. My revered chairman. Thank you for this project once again to be standing here. Je voudrais remercier. Le chairman de l'Église pour l'opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir vous apporter la parole cet après-midi. Also, my appreciation goes to the leadership of the fellowship, the executives, the elders, and all ministers. Et mes remerciements aussi vont à l'endroit du bureau exécutif, le conseil des anciens et à tous les ministres de la parole de Dieu du fellowship. It is not a coincidence today. Alors, bien aimé, ce n'est pas une coïncidence cet après-midi. That God has decided to deliver unto us the blessings of the resurrection morning. Alors, bien aimé, ce n'est pas par hasard que cet après-midi, Dieu veut nous bénir avec la bénédiction, les bénédictions de la résurrection de son Fils Jésus. And he decided to do a double barrel. Oui. Alors, il a pensé utiliser deux hommes qu'il a oint pour le servir de cet après-midi.
I want to appreciate God's servant ministering to get by his side this morning, Pastor Tresor. The Lord bless you, sir. Amen. Et je voulais remercier aussi le pasteur Tresor qui est en train de faire la traduction du pasteur Nathanael. Amen. I want to appreciate my wonderful best friend that God has given to me, my wife. Et de la même optique, il voulait aussi remercier sa meilleure amie que Dieu l'a donnée, qui est sa femme. I will keep thanking God for her and for the family. Amen. Et sans cesse, il va toujours remercier Dieu pour sa vie et pour ses, pour les bénédictions qu'elle a portées dans sa famille. Praise God. Gloire à l'agneau. Yeah, straight away, God is in a hurry to bless us this morning. Alors, bien-aimé, Dieu veut nous bénir cet après-midi. In Christianity is not a religion. Et pour commencer, je voulais vous dire que la christianité n'est pas une religion. It is not an idea. Alors, bien aimé, ce n'est pas une idée, une pensée. Christianity, it is not a religion. Alors, bien aimé, la christianité n'est pas une religion. God has been so good to us since on Friday, and today he's taking us on another journey. Et le vendredi saint, l'Éternel nous a bénis et aujourd'hui encore, il va nous emmener dans les profondeurs. And my prayer is, et ma prière est que every blessing packaged in redemption will reach us in the name of Jesus. Que toutes les bénédictions que Dieu a préparées derrière sa rédemption soient votre portion cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Father, we thank you this morning. Nous te bénissons, Père, cet après-midi. We give you all the glory and praise. Nous te donnons la gloire et l'honneur. We thank you for your son, Jesus. Nous te disons merci pour ton fils, Jésus. We thank you for his birth. Nous te disons merci pour sa naissance. We thank you for his death. Nous te disons merci pour sa mort. We thank you for his resurrection. Nous te disons merci pour sa résurrection. We thank you for the complete work of redemption. Nous te disons merci pour l'œuvre rédemptive complète qu'il a eu accomplie. As we behold ourselves in the mirror of the word this morning. Alors lorsque nous allons nous regarder, Seigneur, au travers du miroir de ta parole cet après-midi, we ask that your spirit rest and be with us in the name of Jesus. Nous prions que ton esprit, Seigneur, se repose sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. We ask that you confirm every word that proceeds from the mouth of your servants this morning. Nous prions que tu puisses confirmer, ô Père, toutes les paroles qui sortiront de la bouche de tes serviteurs cet après-midi au nom de Jésus-Christ. With signs following. Avec des signes et des prodiges au nom de Jésus. In Jesus' precious name. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen, bien-aimés. We came on this mountain on Friday, since on Friday, and we began this journey teamed glory of his resurrection. Alors, bien-aimés, nous sommes sur cette montagne depuis le vendredi saint, et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. The teaching we had on Friday was fireful. Et l'enseignement que nous avons reçu l'après-midi, bien aimé, c'était très puissant, très édifiant. Are we admonish us to please get the materials for that service? Et je voudrais vous recommander de prendre le PPT qui était utilisé pour la prédication du vendredi saint. Amen. Amen. Now, let us start by saying that Christianity is a credible experience of the God kind of life. Alors, bien aimé, commençons encore par dire que
La christianité est une expérience crédible du style de la vie divine de Dieu. This morning, we shall be looking into understanding the power of his resurrection. Alors, cet après-midi, nous allons comprendre quelle est la puissance de sa résurrection. Understanding the power of his resurrection. Comprend la puissance de sa résurrection, la résurrection de Jésus-Christ. Ephesians chapter 1 from verse 18 to 23. Ephésiens 1. Chapter 1 from verse 18 to 23. 18 à 23. Please, if you are with your Bible, we'll read together. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la, nous allons lire ensemble Ephésiens 1, 18 au verset 23. Verse 18, it said, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what the hope of his calling is, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at the right hand in the heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not in this world, not in this world, but also in that which is to come, and have put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body and the fullness of him that filleth all in all. Lisons Ephésiens 1, le verset 18 au verset 23. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. It is the resurrection of Jesus that gave credibility to our Christian faith. Alors, bien aimé, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui rend notre foi chrétienne crédible. In Revelation chapter 1, verse 18, it said, I am he that liveth, was dead. Alors, le livre d'Apocalypse 1, le verset 18 dit, je suis celui qui est vivant, mais qui je suis le vivant. J'étais mort et voici, je vis au siècle des siècles. Amen. And behold, I'm alive and I live forever. Oui, il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Christianity is not a makeup. Alors, bien aimé, la christianité, bien aimé, ce n'est pas un genre de maquillage. It is not an idea, as we earlier said. Alors, c'est comme on l'a dit plus tôt, ce n'est pas une pensée philosophique, ce n'est pas une pensée ou une idée. Now, if you check, one of the things that made Christianity so wonderful is the fact that Jesus died and rose again. Alors, bien, mais ce qui rend notre vie chrétienne très merveilleuse, c'est le fait que Jésus-Christ était mort et il ressuscita. Unlike every other devotions that we have, every other set of worship we have, only Jesus came, only Jesus died, only Jesus rose. Mais en comparaison de toutes les autres religions, de toutes les autres croyances, il n'y a qu'un seul qui est venu, qui mourut et qui ressuscita.
Et son nom, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. No one could try it. In fact, there was a time a man said that he wants to be like Jesus. Alors, bien aimé, il y a quelqu'un dans le passé qui voulait accomplir ce que Jésus-Christ avait fait. He said he will die and he will rise up the third day. Il avait dit qu'il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. And after he died, alors, après sa mort, on the third day, le troisième jour, his members went to his grave. Alors, ses adeptes se sont rendus à sa tombe, waiting for him to rise up. Pour attendre qu'il puisse ressusciter. Behold, he became more dead. Alors, bien aimé, c'était triste de comprendre qu'alors, il n'a jamais ressuscité. Il est resté dans son tombeau. He became deader than the way he died the first day. Alors, bien aimé, il est resté mort à jamais. Il n'est jamais ressuscité. God is the only king who came, died, and rose. Alors, bien aimé, Jésus est le seul roi qui est venu, qui mourut et qui ressuscita, et il est en vie pour toujours. That is why the Christian faith that we profess is a powerful force. Alors, bien aimé, voilà pourquoi vous devez savoir que cette foi chrétienne que nous confessons, elle est très puissante. His resurrection is the anchor of our faith. Alors, bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça la fondation de notre foi. Without his resurrection, you and I won't be here today. Mais sans la résurrection de Christ, toi et moi, on ne pouvait pas être en ce lieu. That is why we can say, yes, we are called according to his calling. Voilà pourquoi on peut dire, oui, nous sommes appelés selon l'appel de Dieu. Praise the name of the Lord. Louange à l'Éternel. After he died, he went into hell because he was made sin. Alors, bien aimé, après que Jésus mourut, il alla dans le séjour des morts. Il alla dans le séjour des morts parce qu'il était, il avait pris la nature pécheresse. And because he already said he was going to rise up on the third day. Alors, parce qu'il avait déjà annoncé qu'au troisième jour, il devait ressusciter. All the demonic forces went down to hold him down. Alors, toutes les forces des ténèbres sont allées dans le séjour de mort pour vouloir lui retenir captif sous l'emprise de séjour de mort. They wanted to keep him in hell. Ils voulaient le retenir captif dans le séjour de mort à l'enfer. Ils voulaient le retenir captif. And God also summoned his power. Alors, bien aimé, Dieu a démontré sa puissance. And the power of God went to hell, brought Jesus out. Alors, bien aimé, la puissance de Dieu alla dans le séjour de mort pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Jesus did not only come out of hell. Alors, Jésus-Christ ne ressuscita pas juste d'entre les morts. He defeated hell. Mais il a vaincu le séjour de mort. He defeated every demonic forces. Il a vaincu toutes les puissances des ténèbres qui étaient dans le séjour des morts. In Ephesians chapter 1 verse 19, he said the exceeding greatness of his power. Alors Ephésiens 1 19 nous parle de la puissance grandiose de Dieu. The power that brought Jesus out of hell. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. He did not just bring Jesus out. Ça ne l'a pas juste ressuscité d'entre les morts. In Colossians chapter 2 verse 15. Galates 2:15. He said having spoiled principalities and powers. En Colossiens 2:15 qui dit que il a dépouillé les autorités, les principautés. He said he made an open show of them. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. He destroyed all of them. Il les a détruits. Il a triomphé d'eux par la croix. That is why today, no matter how demonic a demon is, when they hear the name of Jesus, they flee. Mais voilà pourquoi, peu importe
comment un démon peut être si maléfique. Mais lorsque nous mentionnons le nom de Jésus-Christ, lorsque nous mentionnons le nom de Jésus-Christ, ces démons s'enfuient parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. This was possible by the exceeding greatness of his power. Et ceci était puissance à cause de la grande puissance de son nom. Now, it is important to understand that the power of God is in levels. Alors, bien aimé, il est très important de comprendre que la puissance de Dieu est établie sur les différents niveaux. In John 7, verse 37 to 39, he said, out of his heart will flow rivers of living waters. Alors, bien aimé, Jean 7 nous dit que de son sein sortiront les eaux vives sortiront de son seau, de son sein. And in Ezekiel chapter 47, verse 1 to 5. Et dans le livre d'Ézéchiel 47, le verset 1 à 5. He said, he brought me to the water and he measured it. One was to the ankle length, one was to the knee, another was to the waist, and other was an overflow. Donc, comme on disait tout à l'heure dans Jean 7, 38, qui dit que les fleuves d'eau vive couleront de son seau, nous voyons aussi dans Ézéchiel 47, 1 à 5, on nous parle comment la dimension de la puissance de Dieu se manifestait au niveau de l'ancle, au niveau de la cheville, au niveau du genou et au niveau de la ceinture. Et ensuite, cette onction a eu à abonder, surabonder. God's power is in levels. Alors, bien aimé, la puissance de Dieu est par puissance. Elle est subdivisée sur des différents niveaux. In Luke chapter 24, verse 49, he filled the disciples with power. Alors, bien aimé, dans Luc 24, 29, on nous dit que Jésus-Christ a rempli ses disciples de sa puissance. But in Acts 4, 23, he filled them with great power. Alors, bien aimé, dans le livre de Actes 23, la Bible nous dit comment Dieu a eu à impacter de puissance ses disciples, qui étaient les apôtres. We are made to understand that the end time church has been ordained to operate in this realm of great power. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que l'Église de la fin de temps a été appelée d'opérer dans cette dimension de grande puissance. As it is saying in Hebrews chapter 6, from verse 4 to 5. Et comme on va le lire dans Hébreux 6, le verset 5. He said, and we are made partakers of the Holy Ghost. Et la Bible nous dit que nous prenons part au baptême du Saint-Esprit. And in verse 5, he said, have tasted the word of God and the power of the worlds to come. Et le verset 5 dit qu'ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir. The power that will establish our dominion and living the reality of heaven on earth is the exceeding greatness of his power. Alors, bien aimé, la puissance de Dieu qui va nous permettre d'établir, que nous puissions avoir la domination sur la terre, de vivre le ciel sur la terre. Cette puissance, nous l'avons acquise au travers du travail de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. So, the exceeding great power was what was at work in resurrection. Et c'était cette grande puissance qui était en opération lors de la résurrection de Christ. And it is necessary, it is expedient for us to understand what the power of resurrection is. Alors, bien aimé, il est très important pour nous de comprendre alors quelle est la puissance de la résurrection de Dieu, quelles sont les provisions qu'elle offre aux croyants. And also to know what provisions it offers us as believers. Et aussi les provisions que la puissance de cette résurrection nous offre, nous, à nous les croyants de Christ. Now, let's go to definition. We not all know what understanding is. Alors, nous allons comprendre ce que veut dire le mot comprendre dans la définition. Understanding is the ability to comprehend, to apprehend, to understand, to know. Alors, bien aimé, en définissant le mot compréhension, c'est l'habileté de comprendre, d'appréhender, de saisir, de percevoir, de discerner, de déchiffrer, de reconnaître. Simply put, understanding means to come to the full knowledge of a thing.
Alors, d'une manière simple, pour définir le mot compréhension, nous allons le définir comme étant la compréhension, c'est le fait d'acquérir une connaissance complète sur quelque chose, sur un sujet donné. Understanding is seeing with the eyes of the mind. Alors, bien aimé, la compréhension, c'est l'habilité de percevoir les choses avec les yeux de l'esprit. When someone is trying to explain something to you, and when you get the knowledge, you say, oh, I see. Donc, c'est comme lorsque quelqu'un vous explique quelque chose, et lorsque vous comprenez, vous dites, ah, oui, je comprends. This is what you mean. Oh, I see. Oh, c'est ce que tu voulais dire. Ah, je comprends. Je vois maintenant. Je vois. When you understand something, you receive light about that thing. Alors, bien, mais lorsque vous comprenez quelque chose sur un sujet donné, vous recevez une illumination sur ce sujet-là. It is very difficult when you want to convince somebody of what the person knows. Alors, bien, mais c'est très difficile de convaincre quelqu'un qui se dit qu'il connaît quelque chose, qu'il connaît. C'est très difficile de le convaincre. Amen. Amen. The power of resurrection talks about the Spirit of God. Alors, bien aimé, la puissance de la résurrection est définie comme étant l'Esprit de Dieu. The life of God. Et la vie de Dieu. The exceeding power of God. La puissance excellente, la puissance grandiose de Dieu. It is the highest level of God's power. Alors, bien aimé, c'est le summum du niveau de la puissance de Dieu. It was the same power that was at work in John 11, 43. Et c'est la même puissance qui était en opération dans le livre de Jean 11, le verset 43 au verset 44. He said, when Jesus got to the grave of Lazarus. Et on nous parle quand Jésus-Christ se rendit au sépulcre de Lazare, là où il était enseveli. When he has given thanks. Et lorsqu'il est arrivé là, et il a remercié Dieu. He cried with a loud voice and said, Lazarus, come forth. Donc après avoir rendu grâce à Dieu, il a crié d'une voix forte, Lazare, sort. And he that was dead came forth. Et le mort sortit. Jesus started operating the power of resurrection before he went to the cross. Alors bien aimé, Jésus-Christ a commencé par exercer la puissance de la résurrection avant même qu'il parte à la croix. Praise the name of the Lord. Gloire à l'agneau de Dieu. Now, it is very, very important for us to know and understand the power of resurrection itself. Alors, bien aimé, il est très important pour nous de comprendre alors la puissance de la résurrection de Dieu. And the only way to understand the power of resurrection is by revelation. Alors, bien aimé, la seule manière de comprendre la puissance de la résurrection, c'est par révélation. In Philippians chapter 3, verse 10. Philippiens 3, le verset 10. He said that I may know him and the power of his resurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. The only way to have a definite encounter with the power of resurrection is by revelation. Alors, bien aimé, la seule manière de rencontrer cette puissance de la résurrection, c'est par révélation. Revelation is understanding. Alors, bien aimé, la révélation, c'est la compréhension. Revelation is light. Bien aimé, la révélation est l'illumination. The power of resurrection is the ultimate of God's power, so it is important for us to understand and see this power. Alors, bien aimé, la puissance de la résurrection est la puissance ultime de Dieu. Alors, il est très important pour nous, comme étant chrétiens, de comprendre et de voir cette puissance, de la percevoir, de l'expérimenter. The power is not prayed for. Bien aimé, la puissance, on ne la prie pas. Power is not wished for. La puissance, on ne la souhaite pas. The power is gotten by revelation.
on perçoit, on reçoit la puissance de Dieu par la révélation. Jesus understood how important revelation was. Alors Jésus comprit quelle était l'importance de la compréhension de sa puissance. And that is why the first miracle he did after resurrection was the miracle of eyes opening, to open their understanding. Alors bien aimé, voilà pourquoi parmi les premiers miracles qu'il accomplit après le miracle de l'annonce de Canaan, il a eu à ouvrir les yeux des aveugles. Why? Pourquoi? Because he knew it is only by understanding and revelation we can walk in this power. Ah, ok. Alors, bien aimé, le premier miracle que Jésus-Christ a accompli après sa résurrection, c'était d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit des disciples qui puissent comprendre les Écritures. Voilà pourquoi il est très important d'avoir cette révélation afin de comprendre la puissance de la résurrection de Christ. The power is not prayed for or wished for. The Bible says in Deuteronomy chapter 29, verse 29, it said the secret things of the Lord, the secret things belong to the Lord. And God and those things which are revealed belong to us. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Everything in the kingdom is obtainable by revelation. Everything. Toutes choses que vous pouvez acquérir dans le royaume de Dieu, vous pouvez que l'acquérir par la révélation. Jesus had to perform that miracle before going to heaven. Alors Jésus-Christ, il fallait qu'il puisse accomplir ce miracle-là avant d'aller au ciel. So that we can see, we can understand our heritage in God. Pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre notre héritage en Dieu. Amen. Dites amen. Hallelujah. Let's take a look at the temple, the sanctuary. Alors, bien aimé, nous allons essayer de jeter un regard sur le temple de Dieu. Now, the temple those days had three courts. Et à l'époque, lorsque le temple était établi, le tabernacle était établi, il y avait trois dimensions. We had the outer court, we had the inner court, we had the Holy of Holies. Donc, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le saint de saints. And the Holy of Holies had a veil. Alors, bien aimé, le lieu appelé le saint des saints avait un voile. A veil is a covering. Alors, bien aimé, le voile, c'est une couverture. A veil is something to prevent you from seeing what is beyond the veil. Le voile nous empêche de le voile nous empêche de voir ce qui est au-delà du voile. And behind the veil, we had the rod of Aaron, we had the golden pot with manna, we had the tables of the covenant. Alors dans ce tabernacle, là, nous voyons que il y avait la verge d'Aaron, il y avait le vase en or qui contenait de la manne, et il y avait aussi la table des alliances. But it was only the high priest that had access to the things behind the veil. Alors, bien aimé, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès aux choses qui étaient cachées derrière le voile qui était dans le temple de Dieu. When Jesus gave up the ghost on the cross of Calvary, alors que lorsque Jésus-Christ était sur la croix du calvaire, the veil tore into two. La Bible nous dit que le voile du temple se déchira en deux du haut vers le bas. It means the veil is taken away. Cela veut dire que le voile a été ôté. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. It is no longer accessed by one person, but by everybody. Alors, nous n'avons plus accès, plutôt jadis, c'était que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu des saints des saints. Mais depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, tous nous avons accès à la présence de Dieu dans le lieu appelé le lieu très saint ou le lieu saint des saints. The veil was removed so we can all have access to the Holy of Holies. Alors, bien aimé, le voile a été ôté pour que tous les chrétiens puissent avoir accès au Saint des Saints.
So we won't have to wait for somebody to help us to access the Holy of Holies. Alors, on n'avait plus besoin d'avoir un souverain un sacrificateur pour nous donner accès au lieu très saint. So it was very important for Jesus to make these people know that they do not need anyone to access God. Alors, bien aimé, il était très important que Jésus puisse enseigner à ses disciples qu'ils n'avaient plus besoin de quiconque que soit pour le représenter, pour qu'ils puissent avoir accès à Dieu. So, he had to open their eyes to let them know, hey, I have taken away every covering. Yeah. Alors, Jésus-Christ, il a fallu qu'il puisse ôter leur voile pour leur faire comprendre que ce voile qui vous empêchait d'avoir accès à ma présence a été ôté par ce que j'ai accompli à la croix. And in Luke chapter 24, verse 30 to 45, he met two of them while they were working. Alors, bien aimé, dans le livre de Luc 24, 30 à 45, on nous parle qu'il y avait deux disciples qui étaient en train de marcher, qui partaient à une destination donnée. And after he break bread with them, he blessed the bread and gave them to eat. As they ate, their eyes were opened. Donc, ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus-Christ a pris le pain. Il a brisé le pain et les a partagés. Après avoir rompu le pain, lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrent. They were talking with him, they didn't know he was the one. They stayed with him, they didn't know he was the one. Because their eyes were closed, there was a veil. Alors, bien aimé, ces gens, ces deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, ils parlaient avec Jésus. Mais en ce temps-là, leurs yeux étaient fermés, c'était couvert. Mais après avoir mangé le pain que Jésus-Christ avait rempli, leurs yeux s'ouvrent. After the communion, their eyes opened. Donc, après cette communion avec Christ, leurs yeux s'ouvrent. And they knew him. Et ils l'ont reconnu. It was an eye-opening miracle. Donc, c'était un miracle de recouvrement de la vue. Revelation is key in this kingdom. Mais aimé, la révélation est une clé dans le royaume de Dieu. Praise the name of the Lord. Gloire au nom de l'Éternel. It is revelation that leads to our elevation. Mais aimé, c'est la révélation qui nous emmène à l'élévation. The more you know, the higher you go. De plus en plus que vous connaissez, de plus en plus l'Éternel vous élève. The more revelation you have in the word of God, the more dominion you have. De plus en plus vous avez la révélation sur la parole de Dieu, de plus en plus l'Éternel vous accorde la domination. The more you see, the more you get from the word of God shows the level of your faith. Alors, de plus que vous comprenez la parole de Dieu, de plus que vous pouvez comprendre le contenu, cela montre aussi le niveau de votre élévation, de votre foi en l'Éternel. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthiens 3, 18. He said, but we all with an open face, beholding him as a glass, the glory of the Lord, and are changed to the same image, from glory unto glory. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. As you are seeing the world, as you are checking the mirror of his word, your level is changing. Alors, de plus en plus que vous regardez par la parole de Dieu, de plus en plus vous changez de niveau, vous changez, vous allez de gloire en gloire au nom de Jésus. In Isaiah chapter 60, verse 1, it said, arise, shine, for your light is come. Alors, Isaïe 60 dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Your understanding has come. Ta compréhension est arrivée. Your revelation has come. Ta révélation est arrivée. Behold, there is the darkness shall cover the earth. Voici les ténèbres couvrent la terre. Gross darkness, the people. Et l'obscurité, les peuples. But the Lord shall arise upon you.
Mais sur toi, l'Éternel se lève. He said the Gentiles will come to the shining of the light. Il dit que les nations marcheront à ta lumière. Now listen, look at this. In verse 15 of Isaiah 60, after your light has come, see what he said. You will now become an eternal excellency. Alors, lorsque nous lisons Isaïe 60, le verset 15, après avoir été brillé au verset premier, il nous dit que désormais nous devenons une joie éternelle de génération après génération. You start living in affluence. Alors, vous commencez à vivre dans une influence. You start living in riches. Vous commencez à vivre dans l'abondance, dans la richesse. You start living in peace. Vous commencez à vivre dans la paix. And your walls will be protected by God. Vos murs seront sécurisés par l'Éternel. So revelation is key, sir. Alors, bien-aimé, la révélation est la clé. If you will not get anything in this world, get the revelation. Et si vous ne pouvez pas obtenir quoi que ce soit dans ce monde, ce que vous devez chercher, c'est la révélation. The level you are as a Christian is determined by your level of revelation. Le niveau spirituel que vous avez comme étant chrétien, cela dépend à cause de votre niveau de révélation sur la parole de Dieu et de qui vous êtes. The amount of command you have in this kingdom is as a result of your revelation. Donc l'autorité que vous avez dans ce royaume de Dieu, cela dépend du niveau de votre révélation sur ce que Dieu vous a donné comme parole et comme promesse. Every challenge you face as a person, only revelation can make you surmount that challenge. Mais peu importe les problèmes que vous traversez, c'est là que par la révélation où vous pouvez surmonter ces difficultés. Revelation is very important, sir. Mais la révélation est très importante. That's why we want to see what God has given us via the power of his resurrection. Voilà pourquoi nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné au travers de la puissance de sa résurrection, de la résurrection de Jésus-Christ. Now, the truth is, what the devil does to believers is to close their eyes from seeing their inheritance in the word of God. Et souvent, ce que le diable fait, c'est de voiler les chrétiens afin qu'ils puissent faire percevoir, comprendre leur héritage dans le royaume de Dieu et dans sa parole. The devil knows that the day the kingdom of God, I mean the church, the day the church wakes up to the revelation of the fact that he's a nobody, he's gone. Alors, bien-aimé, le diable sait que le jour que l'Église va comprendre la révélation de la parole de Dieu, le diable sait qu'il sera vaincu, il sera écrasé. That's why he tries to keep believers from accessing the revelation of the word of God. Voilà pourquoi, bien-aimé, il empêche toujours les chrétiens d'accéder à la révélation de la parole de Dieu. Il veut garder les chrétiens dans l'ignorance. This morning, we'll just look at some things that the resurrection power offers us. Alors, nous allons voir dans cette section ce que la résurrection de la puissance de Dieu nous offre. I pray and I ask that we open our minds to understand these things. Alors, bien-aimés, je prie à ce que Dieu puisse ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous enseigner dans la suite. Amen. Amen. Number one, justification. La première des choses que la puissance de la résurrection nous offre, c'est la justification. You remember we said Christianity is not religion. Vous vous souvenez, on a dit que la christianité n'est pas une religion. Now, religion tells us that we are all sinners. Alors, bien aimé, la religion nous dit que nous sommes tous des pécheurs. You know, the devil tries to tell you, oh, you were born in sin. You are a sinner. You can't live a holy life. You are sin. Alors, le diable va te dire, tu es né du péché. Toi, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté. But listen,
Resurrection tells us that we were sinners. Alors la résurrection nous annonce que nous étions des pécheurs. We are no longer sinners. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous étions. The power of resurrection has justified us. Alors, bien aimé, la puissance de la résurrection nous a justifiés. We have escaped. Nous avons échappé. We are free. Nous sommes libres. We are no longer in the bondage of the devil. Nous ne sommes plus sur l'esclavage du diable au nom de Jésus. The grave is open. We have escaped the death of the devil. Mais les mains, le tombeau est vide. Nous avons échappé aux séductions de l'ennemi au nom de Jésus. What the devil does, sin does, or what devil does, he puts us permanently under guilt. Alors, ce que le diable fait souvent, il nous met constamment sous une culpabilité. He tries to tell you that, hey, when you remember your sin, you feel bad, you feel sad. Alors, lorsqu'il te rappelle tes péchés, tu te sens très attristé. And you feel, oh God, I can't approach God. Tu te sens comme, oh Seigneur, je ne peux pas t'approcher. But when Jesus came, alors, lorsque Jésus-Christ est venu, when Jesus died, lorsque Jésus-Christ mourut pour toi et moi, when he rose again, lorsqu'il ressuscita d'entre les morts, the power of resurrection justified us. La puissance de la résurrection nous a tous justifiés. In Psalms chapter 32, verse 1 to 2. Le psaume 32, 1 à 2 nous dit, he said, blessed is he whose transgression is forgiven. Heureux celui à qui la transgression est remise. Whose sin is covered. À qui le péché est pardonné. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne pute pas d'iniquité. And in whose spirit there is no guile. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Now, after Jesus rose, après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, God no longer looks at us directly. Alors Dieu ne nous regarde plus directement. Jesus never knew sin. Jésus n'avait jamais connu le péché. But he became sin for our sake. Alors bien aimé, il est devenu pécheur à he cause de nous. And came up. Alors il est allé dans le séjour de mort, il ressuscita. Now, when God wants to look at us, he doesn't look at us directly. He sees us through Jesus Christ. Alors, lorsque Dieu nous regarde désormais, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Because there is no sin in Jesus. Alors, parce qu'il n'y a pas de péché en Jésus depuis sa résurrection. God doesn't see sin in us. Alors, Dieu ne voit pas le péché en nous. Jesus became a sin screen. Alors, Jésus-Christ est devenu celui qui a ôté le péché de notre vie. No direct looking at us anymore. Alors, Dieu ne peut pas avoir nous regarder directement sans passer par la médiation du sang de Jésus. He sees us through Jesus, the justified. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ, notre sainteté, notre celui qui nous justifie, notre in justificateur. Verse 22 to 25. Romains 4, 25. He said, imputed to him for righteousness. La Bible dit dans Romains 4, 25, que lequel a été livré pour nos offenses. Not for Jesus alone. Non, pas juste pour Jésus-Christ. For those who believe in Jesus also. Mais pour ceux qui croient aussi en Jésus-Christ. If Jesus is righteous. Alors, bien aimé, si Jésus-Christ est saint. And you believe in him. Alors, si Jésus-Christ est juste et nous croyons en lui. You are also the righteousness of God. Vous êtes aussi la sainteté de Dieu. He was delivered for our offenses, our sin. Amen. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. And raised for our justification.
et ressuscité pour notre justification. He died, he became sin, he was raised for our sake, just for to be justified. Donc il mourut à cause de nos péchés et il ressuscita pour nous justifier de ce péché. You are no longer in sin. We are no longer in sin. On n'est plus bien-aimé des pécheurs, on est désormais justifié par l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus-Christ. In Romans 5, verse 1, it says, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Alors, la Bible nous dit qu'on était justifié par la foi et voilà pourquoi on a la paix en Jésus-Christ, en Dieu. Number 2, newness of life. Nous avons désormais acquis la nouvelle vie en Jésus-Christ. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, he said, if any man be in Christ, si quelqu'un est en Christ, he is a new creature. Il est une nouvelle créature. All things are passed away. Les choses anciennes sont passées. Behold, all things have become new. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Everything about your life becomes new. Mais toutes choses concernant votre vie sont devenues nouvelles. All the habits, all the stinking habits, all the deadly sins, everything is wiped away. Mais toutes vos pensées pécheresses, tous vos comportements machiavéliques ont été nettoyés, lavés par le sang de Jésus-Christ. By law, we were made sinners. Au travers de la loi, nous étions des pécheurs. By grace, we were saved. Par la grâce, nous sommes sauvés. We can freely walk in the newness of life. Alors, nous pouvons désormais marcher dans notre vie nouvelle en Dieu, en Christ. Praise the name of the Lord. Gloire au nom de l'Éternel. When we are walking in the newness of life, there are some dangerous habits that we have that God has taken away by resurrection. Alors, bien-aimés, lorsque nous marchons de cette nouvelle nature en Christ, donc il y a ces mauvaises choses que Dieu a déjà ôtées de notre vie. But we have the responsibility to walk in this newness of life. Alors, nous avons maintenant la responsabilité de marcher dans cette nouveauté de vie, dans cette nouvelle vie qu'on a acquise au travers de Jésus-Christ. In 1 Corinthians chapter 15, from verse 42 to 45, he said, the resurrection of the dead, he was sown in corruption and raised in incorruption. Alors, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42, nous dit que Jésus-Christ a été... lui qui était ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. He was sown in dishonor, but raised in glory. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. He was sown in weakness, but raised in power. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. He was sown in a natural body, but raised in a spiritual body. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Sin shall have no more dominion over anyone. Alors le péché n'aura plus la domination sur quiconque. Why? Because it is our heritage. Parce que c'est notre héritage. Quelqu'un dit amen. He went down to death because of us. Jésus-Christ mourut à cause de toi et moi. It means every corrupt habit, every corrupt sin in us is taken away. Alors cela veut dire que tout comportement mauvais en nous, toute habitude, tout caractère machiavélique, corruptible en nous, Dieu l'a ôté car il est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Praise the name of the Lord. Louange au nom de l'Éternel. The thing is, we now have the ability to do away with sin. Please come again. I said now we have the ability, the grace to do away with sin. Alors nous avons maintenant l'habileté de vivre la vie selon le royaume de Dieu, selon les instructions divines. What you don't want, you don't watch. Alors bien aimé, vous devez savoir que ce que vous voulez pas,
vous devez pas regarder. What you know will corrupt your faith, you don't allow. Alors, bien-aimé, ce qui peut corrompre votre foi, vous ne devez pas la regarder, vous ne devez pas les faire ou vous approcher de ça. Whatever sin you don't resist will always remain. Bien-aimé, tout péché que vous ne pouvez pas résister, ça va toujours demeurer. Whatever you don't pleasure, you don't permit it. Donc, tout ce que vous ne désirez pas faire, donc il ne faut pas le permettre dans votre vie. Every habit that you can't confront, you can't conquer them. Alors, bien aimé, tout comportement que vous ne pouvez pas affronter, alors, il sera difficile pour vous de les surmonter. The power of resurrection gave us this authority to do these things. Alors, désormais, à cause de la puissance de Dieu, d'avoir la puissance de surmonter les comportements qu'on n'arrivait pas à abandonner. Number three, sonship. Troisième point. Alors, nous faisons partie désormais de la famille de Dieu. Ephesians chapter 2. In Romans chapter 8, verse 17, it said, and if be children, we are heirs of God and joint heirs with Christ. Romains 8, 17 dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. It means we are now a member of the household of God. Donc, cela veut dire que nous sommes désormais membres de la maison de Dieu. Hallelujah. When the veil was broken, we had access to go and see what was behind the veil. Bien-aimé, lorsque le voile fut déchiré, alléluia, désormais on a eu accès de voir ce qui était derrière le voile. We have access to see what Jesus sees. Nous avons maintenant l'accès de voir ce que Jésus-Christ voyait. We have access to know what Jesus knows. Nous avons désormais l'accès de connaître ce que Jésus-Christ connaissait. You become a member of the household of God. Nous devenons désormais membres de la maison de Dieu, enfants de Dieu. Number four, to walk in supernatural life. Le quatrième point, nous allons vivre dans une vie surnaturelle. The truth is, not everybody is a human being. Mais vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est un être humain. Not everybody. Ce n'est pas tout le monde qui est un être humain. 1 Corinthians chapter 15, verse 44 says, there is a natural body and there is a spiritual body. Alors, la Bible nous parle d'un corps charnel et un corps spirituel dans 1 Corinthiens. Not everybody you see on the street are natural. Donc, ce n'est pas tout corps que vous voyez en route que c'est un corps naturel. Some are demonized. Il y a certains corps humains, certaines personnes que vous voyez dans la rue, ce sont des démons qui ont pris la forme humaine. Some are divinized. D'autres, ce sont ceux qui ont la nature divine. Glory to God, we are divinized in Christ. Gloire à Dieu parce que nous sommes divins. Nous sommes divins en Christ. To walk in supernatural life is to live a life of Christ. Alors, bien-aimés, pour vivre une vie surnaturelle, nous devons vivre notre vie en Dieu, en Christ. It means when he died, he said we were raised up together to sit with him in heavenly places, far above principalities and powers. Dans la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ ressuscita, on s'était assis avec lui à la droite de Dieu le Père, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. It means what cannot affect Jesus cannot affect us. Donc cela veut dire que ce qui ne peut pas affecter Jésus ne peut pas aussi nous affecter parce qu'on est avec lui dans les lieux célestes. It means whatever Jesus says and he has it, we can say the same thing and have the same thing. Alors, cela veut dire que tout ce que Jésus-Christ dit, déclare, nous aussi, on peut le faire et on va voir les fruits au nom de Dieu. We start operating in a supernatural life, far above the powers. Alors, nous opérons désormais comme Jésus-Christ sur le surnaturel, parce que la nature, la vie de Christ est en nous. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. The devil only understands power. Le diable ne connaît que la puissance. He is not interested in your grammar. Alors le diable s'en fout de votre bon anglais ou français. He is not interested in your eloquence. Il s'en fout de votre éloquence dans le parler. The only thing the devil bows down to is power. La seule chose à laquelle fait fléchir le diable, c'est la puissance du nom de Jésus.
In Psalm 66, verse 3, he said, through the greatest of thy power, thy enemies shall submit themselves to you. Alléluia. Le psaume 66, le verset 3, nous déclare que tes œuvres sont redoutables à cause de ta grandeur, de ta force, tes ennemis te flattent. In John 3, verse 1, he said, he that is above all. Alors, Jean 3, 31 dit que celui qui est élevé est au-dessus de tout. We are seated with Jesus in the heavenly places, far above principalities and powers. Donc nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, des dominations et de toute puissance. That's giving command as a general. Donc nous devons commencer à faire des déclarations comme étant un général dans l'armée de Dieu. Start saying things the way you want to see them. Alors commencez par déclarer les choses de la manière que vous voulez que les choses puissent fonctionner. The child of a dog is a dog. Alors, bien aimé, vous devez savoir que le fils d'un chien est un chien. The child of God is a God. Alors, bien aimé, le fils de Dieu est un Dieu. As you see it, you see it. De la manière que vous allez le voir, vous allez le palper. Et le dire aussi. Amen. Another one is divine health. Donc, l'autre chose qu'on va retenir de l'Éternel, c'est la santé divine. The revelation power quickens our body. Donc, la puissance de la résurrection fait revivre notre corps. It takes it from the natural to the spiritual body. Donc, il le transforme du naturel, il le rend supernaturel, surnaturel. To the extent that nothing, no sickness can molest your body. Pour qu'aucune maladie ne puisse avoir la domination sur votre corps. When you see your body is giving you signs, some of us, we have the habit of saying, oh, I have headache. Nombreux parmi nous souvent disent, ah, vous savez, j'ai des maux de tête. Your body has been quickened by the Spirit of God. Mais votre corps a été ravivé par l'Esprit de Dieu. No sickness is allowed in your body. Aucune maladie ne doit dominer, ne doit rester dans votre corps. Nothing is permitted to molest you. Aucune chose ne doit être admissible dans votre corps. It was the price Jesus paid. C'est le prix que Jésus-Christ a payé, bien-aimé. He said, let the spirit of him that raised Jesus dwell in your body. He will quicken your mortal bodies by his spirit. La Bible dit que l'Esprit qui ressuscita Jésus qui d'entre les morts vous rendra vie à votre corps mortel. In Isaiah chapter 53, verse 5, he said he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. By his stripes we are healed. Isaïe 53, 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. By his stripes, we are healed. Not that we are going to be healed. We are healed. Yeah. Mais la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Ce n'est pas que nous serons guéris, mais nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Yeah. On the word of God, anyone being harassed by the spirit of sickness, we curse it in the name of Jesus. Quiconque qui est malade parmi nous, nous révoquons cela. Nous réprimandons cet esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Number six, deliverance. La délivrance est le sixième point que nous offre la puissance de la résurrection de Dieu, de Christ. In Matthew chapter 27, verse 52 to 53. Matthieu 27, 53. And when Jesus rose, lorsque Jésus-Christ ressuscita, he said, the graves were opened. La Bible dit que le tombeau s'ouvrit. And many bodies of the saints. Et beaucoup des saints qui étaient morts, which slept, qui étaient endormis, rose up, ressuscita, came out of the graves, ils sortirent de leur tombe,
and went into the holy city, appearing to all. Étant sorti de leur sépulcre, ils allèrent alors dans le dans la ville sainte et apparurent au nombre à plusieurs personnes. Everyone in any grave right now, I don't care what the grave is. Yeah. The power of his resurrection is bringing us out in the name of Jesus. Amen. Quiconque qui se trouve dans un sépulcre, peu importe où vous êtes, que la puissance de la résurrection de Christ vous fait sortir des morts maintenant, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. We were once in captivity, but by the power of resurrection, we are free. Vous qui étiez sous la captivité du diable, mais à cause de la puissance de la résurrection, vous êtes libres. Allez recevoir votre liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. The next Amen. One, glory and honor. L'autre chose, d'autre bénéfice de la puissance de la résurrection, c'est la gloire et l'honneur. In 1 Corinthians 15:43, he said, he was sown in dishonor and raised in glory. Hallelujah. 1 Corinthiens 15:43 nous dit que il était semé comme étant dans un corps animal, mais il ressuscite d'un corps spirituel. Every believer by the power of resurrection is destined for glory and honor. Bien-aimés, tout chrétien, il doit recevoir la gloire et l'honneur parce que cela fait partie de ce que nous offre la puissance de la résurrection de Christ. We were dead in dishonor. Nous étions morts dans le déshonneur. We were dead in shame. Nous étions morts dans la honte. But his resurrection brought us out. Mais sa résurrection nous a ramenés à la vie au nom Now de Dieu. Now we enjoy glory and honor. Et maintenant, nous nous réjouissons de la gloire et de l'honneur. Amen. Amen. Hosanna. And the next one is prosperity. Et le point suivant, c'est la prospérité. Prosperity is glorious, my people. Mais la prospérité est une chose très glorieuse. Prosperity in health, in mental, your body, in material, in education, prosperity is good. Mais la prospérité est très bonne. La prospérité sur le plan mental, financier, matériel et autre, la prospérité, c'est quelque chose de très bon. Prosperity is amazing, sir. Mais c'est quelque chose de merveilleux. In 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 8, verse 9, he said, though he was rich, yet for our sake he became poor, that through his riches, through his poverty, we might become rich. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ qui était riche, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour que par sa pauvreté, nous devenions riches. So if you are not walking in prosperity, it's your fault. Alors, bien-aimés, si vous ne marchez pas dans la prospérité, c'est votre propre faute. God, Jesus already made us rich. Jésus-Christ nous a déjà rendu riches. Prosperity is not what you wish for. It's a work. Bien-aimés, la prospérité, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, mais c'est plutôt un travail. It is a commandment. Alors, bien-aimés, c'est un ordre. And until you are ready to do the commandments, you can't be in command of prosperity. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous soumettre à ce temple-là, il serait difficile pour vous de jouir de ce qui vient avec ce temple. Praise the name of the Lord. Gloire au nom de l'Éternel. Le point 9. Dominion. La dominion. This is the main reason Jesus came. Donc, la raison à laquelle Jésus-Christ venait, c'est pour venir dominer, avoir l'autorité. That the dominion of this earth can be transferred back to us. Que l'autorité que Christ avait sur la terre nous soit transférée aussi. In 1 Corinthians, in Ephesians chapter 2, verse 5 to 6, he said, even when we were dead in sin, had quickened us together and raised us up together and made us to... Donc, Ephésiens 2, 5 à 6 dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. To have rule, to dominate.
pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner. To know, to understand and operate in the consciousness of this dominion. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cela pour que nous puissions marcher dans cette autorité. Know that you are called to dominate and rule your world. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu vous a appelé pour régner dans le monde dans lequel il vous a appelé. Jesus, the devil should not be having a... Alors, le diable ne doit pas être libre, ne doit pas avoir de l'espace d'être libre. Vous devez à chaque fois l'opportuner. A lion is a lion, whether sleeping or alive. Et mais un lion demeure un lion, qui dorme, qui se réveille, qui soit en vie ou qui. No goat will be stupid enough to go and play with the tail of a sleeping lion. Même si le lion est en train de dormir ou même s'il est mort, il n'y aura aucune brebis qui aura l'audace de partir s'amuser autour du lion. No demon will be stupid enough